Salut YouTube, nous sommes sur Alien Isolation, un petit jeu de la bonne ambiance qui ressemble tout à fait au petit jeu détendu auquel les gens ont joué cet été. Même le X-Files, celui-là, si c'est celui auquel tu penses. Oui, c'est probablement celui auquel tu penses. C'est le point and click en FMV. Je tuerais pour une clope. Ah bordel, faut que j'arrête de faire de la merde. Ah, il y a un mec là qui... Cette station est devenue minable. On a fait seulement ce qu'on avait à faire. Ressemble à un cimetière. Hein. Reste la José. Ouais, je l'ai jamais fait le FMV X-Files. C'est beaucoup de jeux que j'ai trouvé en. Deux cases. Tu peux me rappeler pourquoi j'ai accepté ce contrat? Pour l'argent? C'était quoi ça? Allez, fais rien. Tu sais, de l'époque où ils sont sortis, tu as des jeux vintage. Ton calme. On peut s'en sortir. Ce plic-ploc ne me donne pas du tout envie de continuer. Faites gaffe au moindre bruit. Il pourrait être n'importe où. Je ne sais pas où je vais. Quand même, tu vas passer sous la grille, ça. Je savais bien qu'il y avait une couille avec un salaire comme ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de sortir sous leurs pieds? J'espère que toutes ces conneries aient suffisamment distrait l'alien pour qu'il n'ait pas l'idée de se pointer dans le coin. C'est du bruit dans les conduits. Mon pote a dit qu'il l'avait vu, donc il y a des gens qui en réchappent. Pour l'instant. J'ai une sortie par là, mais je suis pas sûr que ça nous mène à un endroit très favorable pour nous. On va dire que si. Je tuerais pour une clope. Discrétion, JTL. Bien joué. Tu vas faire quoi? Trouver un cylindre de compression pour réparer l'ascenseur. Non, bien. Faisons comme ça. Tu peux me rappeler pourquoi j'ai... La question étant, qu'est-ce qu'un cylindre de compression? Un ascenseur, je visualise à peu près ce que c'est bon.
trop bruit. Il pourrait être n'importe où. Une ombre qui flippe. Parce qu'il est là. Dire que je pensais détester Sixon avant. Ça, c'est les fameux fumigènes éclairants. Restez veillé, du con. Si on doit s'en sortir, tu me seras plus utile en vie. Section corrompue. Oui, lors de trop d'avance, Smythe au rapport, directeur de développement des synthétiques, je viens de recevoir des schémas pour le 120A8. J'ignore combien on paye notre top, mais l'admin de Sixon va devoir débourser largement plus. Même si ça m'a l'air plutôt vieux pour du Wayland Butani, ça dépasse largement ce dont on est capable. Nos principaux cadres réactionnaires ne veulent pas comprendre, mais on a besoin de fonds. La compagnie et toutes ses filiales sont à des années-lumière devant nous. Smythe, j'ai jeté un œil à votre rapport sur les androïdes de la Wayland Butani et à vos suggestions concernant l'amélioration des lambda. Vous savez, j'apprécie le travail que vous faites, mais comprenez qu'on ne vit pas dans le même monde. Le vôtre est rempli d'extrapolations et d'estimations. Le mien gravite autour d'une suite exécutive et d'un costard à $8000. Tout ça pour dire, le flou... Moi aussi, si je travaille, je m'en paye des costards. Mec, y'a que ça qui me préoccupe. Je vous ai engagé parce que vous étiez le moins cher, pas le meilleur. Trouvez un moyen de rabaisser ses coûts, ok? Ransom, terminé. C'est bien ce qui me semblait, c'était le champ délicat d'un point de sauvegarde. Oui. Sauvegardons. Par contre, ça ne dit pas où est-ce qu'il est. Pas l'alien, mais le truc qu'on me trouvait. Je cache pas sous le bureau et c'est l'accès au terminal. Golita. Alors, baratin de lambda, Russell, voici le baratin raconté au client potentiel pour aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Speeding, va me le faire payer s'il n'accroche pas. Monsieur, bienvenue au centre effervescent de la solution synthétique de Sébastopol. Prochaine étape de la visite, la tour Systech, le cœur d'Apollo. Mais d'abord, voici un exemple de l'autonomie Android. Lorsque les soins que les synthétiques d'Apollo nécessitent dépassent les capacités de service de réparation, ils viennent ici. Nous pensons que c'est le premier lancement d'intervention médicale. Automatisé de synthétique à synthétique. Aucune expertise humaine n'est nécessaire, ni aucune formation chirurgicale coûteuse. Apollo transfère directement toutes les données et enregistre chaque incision dans ses rapports. L'avenir est devant vous, messieurs. Ensemble. Pour demain. Russell, les boss veulent qu'on passe en revue tout ce qu'on a empilé dans notre pot des composants. Il y a pas mal de matos aussi utile là-dedans et de la câblotte aussi. En prime, ils demandent l'estimation de la valeur Smite. Erreur. Très bien. De tourner. J'ai amélioré la bombe fumigène V2, mais soit. Ça m'aide pas beaucoup. Petit couloir, ça fait très Nostromo. Les components storage, ça te semble une bonne idée. Des bruits partout dans ce pays de merde. Évidemment, il va falloir traverser le truc des synthétiques. Et ça va mal se passer. Alors je vais accéder au terminal. Allô ?
Argument valide. Ensemble pour demain, l'épopée du Sixon dans l'espace colonial. Une histoire officielle par Sébastien Sieg. Première pression du chez Regard sur Sixon. En offrant des composants fiables capables de transporter les humains dans l'espace lointain, Sigensen se révélèrent le pivot de l'expansion coloniale le plus rapide que la lumière. Ainsi, ils se développèrent en... et dès 2066, prenaient la tête d'usine à Londres, Buenos Aires, Nagasaki et la frontière lunaire Shikard-Vargantin. En 2071, année durant laquelle la famille Sieg revendit ses parts à la compagnie, leur progression continue de manière exponentielle. Leur niveau farouche observé qu'envie Sigensen devenir les leaders de la fabrication de voitures, de produits chimiques, d'équipements éducatifs et de matériel de construction. Vers la fin du siècle, une étape fut franchie, étape qui façonnerait notre avenir commun. Sigensen devint Sixon. Ce nom qui nous avait suivi des décennies et si familier à nos clients demeura ainsi à nos côtés pour faire face à l'avenir, ensemble, parmi les étoiles. Spike, vous êtes-vous familiarisé avec ce que vous allez dire aux VIP en visite aujourd'hui? Il faut qu'on fasse bonne impression. J'ai entendu dire que ce sont les derniers enchérisseurs. La production d'androïdes est d'une importance capitale à leurs yeux. Il faut absolument qu'on leur montre à quel point cet endroit est adapté à la technologie synthétique avancée. Un peu de baratin fera pas de mal, mais n'allez pas trop loin non plus. Foutez pas tout en l'air. Spelling, terminé. Utilisez l'androïde. Comment ça, utiliser un droïde? Très bien. Ça va pas. Oh, le dessus, voilà. Pendant que notre ami le glouton mignon est en voyage. Toujours présent pour mettre un coup de pression. Possible. Il y a 8 milliards de trucs de sécurité dans leur machin. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? De où j'ai mouru? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, il y a une espèce de gaz. J'ai l'impression. C'est que je lui mets les droïdes de réquisition pour un con.
carte d'accès requise. Il s'énerve. On fouillait le truc où il y avait le droïde, peut-être qu'on a pratiqué. Notre point de sauvegarde, un mec mort. Décidément, l'ambiance s'améliore à chaque instant. Pas trouvé un moyen de venir. Quand même pas. Depuis qu'il a eu sa petite brûlure. Point de sauvegarde relativement proche, c'est extrêmement louche, je tiens à le dire. Évidemment, à un moment, on va ouvrir la porte qui veut pas et donner accès à la feu. Comme ça. Android de réquisition, maintenant que vous m'avez viré, il va falloir descendre de votre tour d'ivoire et prendre le relais. Le gars qui démantèle Sébastopol, on a un accès libre, provisions et stock. Mais tout doit être enregistré, alors utilisez l'Android de réquisition. Démarrez-le, sortez-le de sa boîte et observez-le partir, un peu comme moi. Hein. Quand vous aurez ce message, je serai déjà bourré au Guidance Bar. Je sais pas si vous le savez déjà, mais c'est vraiment un cauchemar de travailler avec vous. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Smite. Je viens de recevoir un autre message de Spelling au sujet d'un ascenseur en panne à l'extérieur du théâtre d'examen Android. Mes hommes savent pas où donner de la terre sur votre en ce moment, donc je ne crois pas qu'on arrivera à le réparer à votre visite VIP. Si Spading espère passer en premier, il fera peut-être bien arrêter de péter plus haut que son cul. C'est pas dur, de mémoire, je peux vous dire que les pièces dont vous avez besoin se trouvent dans le repos des composants rangé 1 rayon B. Si vous le trouvez pas tout seul, demandez à l'oreille de réquisition, lâchez-moi les rap. Grosse ambiance, Smite, ici Spading. Vous saviez pertinemment que ces mecs étaient les derniers enchérisseurs pour le système Apollo de Sébastopol, et vous avez complètement merdé la présentation des androïdes. Ils ne sont pas intéressés. Du coup, pas de prime pour moi, pas de moitié pour vous qui tiennent. Et qui sait ce qui va se passer pour les bureaucrates de l'étage du dessus? Ça m'a vraiment saoulé. Mais vous savez ce qui me fout encore plus en rogne? Je dois rester sur Sébastopol et me coltiner la supervision de la mise à l'arrêt des synthétiques pendant que vous rentrez tranquillement chez vous. J'espère. Elle couille de Maximus. Ça m'a du retour, du con. Pas de talent. Message de l'android de réquisition connecté en attente d'activation. Dedans, ça fasse un raffut d'enfer, hein. Juste pour dire, au fait, on a allumé le bousin.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que l'android de réquisition va être ultra relou. Utilisez le bouton. Faut que je fasse gaffe. Est-ce que du coup, comme un grand, il va aller chercher ce qu'il faut? Lui, ce fait. Parce que s'il veut me voir, il va me défoncer. On va tenter d'aller le voir, et il va probablement me défoncer. J'ai besoin d'un cylindre de compression. Dépôt de composants. Rangée 1, rayon B. Suivez-moi. Essaie de pas faire trop de bruit, ok? Je sens que cet « essaye de ne pas faire trop de bruit » va vite se tourner en vœux pieux. Merde. Vous ne devriez pas être ici. Et ça, c'était pas fait exprès. Ça s'appelle le misclick. Pardon, José. Tapé dans la tête, mais c'était purement amical. Petit peu trop nerveux. Carte d'accès. Ça fait quoi? J'ai appuyé par accident et je lui ai collé un grand coup de clé à molette dans la gueule. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un cylindre de compression. Enfin, d'un coup de... Dépôt de composants. Rangé. Rayon B. Suivez-moi. Essaie de pas faire trop... Oui, mais justement, c'est la tentation de lui faire un backstab à coup de taser était tellement grande que je suis senti obligé de le frapper par accident. Ah, cool. Se trouve à l'extrémité de cette rangée. Bah oui. Évidemment. Nope, tu vas te faire vite, zit. T'es pas un peu con, Jacques? C'est par en bas, je peux passer plein par là. On peut se dire qu'il est mort en faisant ce qu'il aimait. Swat. Oh mon dieu, l'énigme. Plus ou moins. Par là, non? Oui. Eh, grosse énigme, hein. Arrêtez de faire bip! Et donc du coup c'est en B.
fait des bruits et j'aime pas ça. Remplacer le courant de l'ascenseur. Tout le tour avec les Jackies. Je suis à peu près sûr que c'était pas le bruit d'un dégazement. Je ne suis pas alienologiste, mais quand même. Garde ton calme, hein. On peut s'en sortir. Ne paniquez pas, l'alien ne vous massacrera pas. Comment ça, ennemi proche? Ok, soit il était proche. Je suis d'accord. Ça compte. Ça se passe à peu près bien. Il y avait qu'un salaire comme ça. Il y a pas Jackie. Il va se ramener en mode JT là, lol. Comment va-t-il mourir cette fois? Bah, les humains, l'alien, les paris sont ouverts. C'était pas fait exprès. On se fait éclater la tête. À nouveau, les paris sont ouverts. Un accès de l'autre côté. Ne regardez pas comme ça. Skull avait bien cherché. Et ça peut nous rapprocher de l'ascenseur, je crois. Tu peux me rappeler pourquoi j'ai accepté ce contrat? Ah. Ah, je sais pas du tout où je pensais être. Ah, aucun moment c'était par là. Il y a des gens qui en réchappent. Si on voit, on se parle. Ah, ah là là là. J'aime ramper. Le petit clapotis de l'enfer. Du peuple. Hein. Pour le confinement, t'as prévu Alien Isolation. Oui, c'est le roi du jeu de mots. Alien Isolation, confinement. Je pense qu'on n'avait pas le choix, mais c'était votre idée, pas la mienne.
pas juste jeter un coup d'œil au-dessus? Comment ça, j'ai plus de piles? Cette station est devenue minable. Comment je suis chargé censé la recharger? Hop, comment je suis censé la recharger la machin? Comment je recharge ma lampe? R. Pas ça. La première chose qu'on entend, c'est du bruit dans les grenouilles. Ah ouais, si, c'est F maintenu. Merci, Alicia. Magnifique. Quel talent. Je pensais pas que c'était ça, mais... Merci. Oh non, sans déconner. Pas moi. Mais tu regardais même pas, bah non. J'étais surpris, j'ai paniqué. De où il est sorti, lui, hein? Et il pouvait pas juste attendre et ne rien faire? Tu vas prendre Predator plutôt, parce que lui, ça c'est limite. J'aimerais bien. Tant qu'à faire, j'aimerais bien pouvoir jouer Dutch. Je devrais bien pouvoir jouer Schwarzenegger dans Predator, ça me rassurerait un peu. One ugly motherfucker. Il y a des gens en face. Mon fluide synthétique. Je vais sortir vers la centrale de fluide synthétique. Okay. C'est moi qui tire. C'est pour le lol. Pas vraiment vu. Je
coup, faut essayer d'atteindre le facility administration. Je sais pas ce qu'il y avait en bas. En espérant qu'il ne soit pas trop attentif. Pas l'air trop attentif. Bip d'un truc de sauvegarde, mais ce n'est pas là. Je suis déçu. D-E-C-U. Très bien. Pas pour ça. Pour un épisode, ne nous le cachons pas, je vais devoir malheureusement encore souffrir pour vous. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Requête d'ingénieur synthétique, est-ce que je peux vous envoyer quelqu'un de Sixon Synthetics pour jeter un œil à mon android? Je viens de me taper 24 heures aux soins des patients en trauma, alors que je suis dentiste. Waits veut qu'ils soient tous déplacés de l'hôpital et personne ne me dit rien. Si on s'attend à ce que je taffe ce genre d'heure, il va me falloir de l'aide. On a un android ici avec une programmation parfaitement adéquate, mais là, il prend la poussière parce que supposément le même modèle fait les siennes de l'autre côté de la station. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Envoyez-moi quelqu'un ici de suite avant que je dépose une plainte officielle. Très bien. Donc nous allons voir le robot dentiste. Faire des petits bruits random, toi. Ah! Ah! Bah, je suis à peu près sûr que je vais devoir vous exploser la tronche, hein, je suis désolé, les gars. C'est juste un mauvais rêve. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de venir ici? On n'est pas obligé, mais est-ce qu'on n'en a pas? Il recharge, espèce de conne. Bravo, 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 bravo. On sent que c'est une technicienne, hein, que c'est pas trop son domaine de tirer sur des gens. Chargé, espèce de débile. Alors, on m'a dit en français pour faire recharger. Désolé, hein. C'est dit non et dur, il fait le taf à coup de tabouret. Un tabouret, j'en demandais pas tant.
peu mal le crâne. Derrière le... C'est pas très... Ça. Il dit l'art de l'arme improvisée. Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Allez, garde de transit. Ça me semble limite trop facile. Ça me semble en effet limite trop facile. Et Jacouille, il doit se balader dans le coin. C'est pas censé être là ouais. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez... Hey. Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrens. Relax, Ricardo. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? Juste sous vos yeux. Vous êtes que deux, bande de plouks. J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Quelque chose amené ici par Marlow, le capitaine de la Nessidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé... Y a-t-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ripley. Taylor a besoin de soins. Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Il faut qu'on utilise le transit pour se rendre au QG, mais il est en panne. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuels dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Ouais, c'est ça. On en reparlera plus tard, Waits. Protégez-les pendant que je suis pas là. Quel piège, de quoi il parle? Ricardo, verrouille sa fréquence radio pour qu'on reste en contact. What are you talking about? Vous allez bien, Ripley? Super. On ferait mieux de se dépêcher. Ça résume assez mon état d'esprit. Ça va? C'est génial. C'est un super moment. Important de contrôler son transit, je suis parfaitement d'accord. On ne pense pas assez au contrôle du transit. On peut faire des lampes qui s'allument toutes à la fois. J'ai déjà suffisamment de monde à emporter pour pouvoir en plus ramener des déchets.
à peu près sûr que José n'est pas très agréable. Petit flair comme ça qui me dit qu'il est... Il est pas super sympa. Il y a un truc qui est marqué, ah oui, c'est l'ascenseur. Partie de truc. Et... J'avais marqué un truc sur la map comme s'il y avait un truc. Érable. Ah oui, il a pas. Merde, quelqu'un a tout éteint. Oh putain. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Est-ce que toi tu vas passer un moment nul? Ah, tu me rappelles plus la dernière fois que j'ai dormi. C'est très très sombre. J'espère que c'était pas un copain. Que c'est possible que si. Il se pourrait que j'ai éclaté un gars, que j'aurais dû laisser toucher la console. Il se pourrait. Est-ce que je trouve les leviers de pression de la coupe. Donc je pense que j'ai bien fait de lui éclater la tronche. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur ce bon moment pour garder un petit peu sous le coude pour la prochaine fois. On a bien tourné en rond, on a bien galéré, mais bon, on a quand même avancé. Et à nouveau, nous sommes confrontés à Fantomas et ça clique fort peu sympathique. Du coup, c'était Alien Isolation et à la prochaine pour la suite de nos aventures et le stressomètre qui va encore augmenter. Bisous.